Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à Action de Land. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques pour tous ceux qui le fêtent. J'espère que vous passez un bon moment en famille avec vos enfants. Dans cette vidéo, juste pour information, c'est ouvert aujourd'hui Action, chez Action de Land. Il est ouvert jusqu'à 18h. C'est qu'il y a pas mal de magasins qui sont fermés, mais Action est ouvert. Donc c'est cool. Je vais faire une vidéo spéciale idée cadeau. Je vous ai fait une vidéo hier en vous demandant est-ce que ça vous plairait. Vous étiez pas mal à me répondre que oui. Donc là, je vais vous donner des petites idées cadeaux pour enfants. Pourquoi pas aussi pour des adultes. Donc là, dans cette vidéo-là, ce sera une vidéo idée cadeau pour la fête de l'Aïd. Mais vous pouvez très bien l'utiliser pour les anniversaires, pour Noël, pour X raisons. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Et comme je vous dis souvent dans ces vidéos-là, donc je vais beaucoup parler, hein, comme je vous dis souvent dans ce genre de vidéos, quand je vous fais des idées cadeaux, des petites panières, etc. Après, vous faites en sorte que... Enfin, je vais faire en sorte... de vous montrer différentes panières à petit prix, moyen budget, vous voyez, avec les temps sont durs, donc on peut faire plaisir vraiment avec des petites choses, comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et moi déjà, je vais vous montrer ce que moi j'aime bien faire déjà, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour mes neveux, pour les petits-enfants de la famille, etc. Des petites pochettes avec un petit peu de tout à l'intérieur. Donc moi je vous montre, après vous pouvez très bien rajouter ou enlever des choses, c'est vous qui voyez. Donc déjà en premier temps, on va venir ici prendre, vous avez le choix, soit de prendre une boîte hein, pour offrir et tout ça, mais là la boîte elle est trop petite, elles sont trop petites celles-là, mais elles sont canon, elles sont trop belles, vraiment elles sont très très belles. Franchement ça peut être très joli pour faire un petit coffret personnalisé ou quoi, pourquoi pas à l'intérieur. Les boîtes elles sont à 1,54€, donc là vous avez des sacs cadeaux à 69 centimes. Vous voyez, vous pouvez très bien choisir d'ailleurs les personnages que les enfants aiment. Sinon, vous avez ceux-là, ils sont trop beaux, vous voyez. C'est écrit for you, comme ça, marbré. Ils sont à 89 centimes, ceux-là. Ça, c'est la base. Après, vous avez ceux-là, 95 centimes, un petit peu plastifié. Il y en a des plus petits, non, mais il faut rester quand même sur une taille assez, assez grande, comme ça. Ça, c'est top aussi, hein. Regardez comment ils sont. Ceux-là sont magnifiques, regardez. Ce sont des boîtes, enfin des boîtes, des sachets. Alors, regardez ce que ça donne. Donc il y a plein de modèles, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Donc ceux-là, il y a même une petite carte à l'intérieur. Une carte avec un petit mot et tout ça. Petit sachet, pardon. Ceux-là sont à 99 centimes. Donc on va prendre un sachet. Prends celui-là à 89 centimes, en plus c'est écrit surprise. Et là, que votre imagination commence. Parce que là, on peut y mettre plein de choses. Vous pouvez prendre déjà ces petits ballons. C'est ceux-là. Vous savez les ballons, moi, je les connais très bien ceux-là. Les petits ballons. On joue avec comme ça, avec le doigt, au niveau du doigt, on commence à le faire rebondir comme ça. C'est un lot de plusieurs, hein, donc vous pouvez en prendre. Regardez, il y en a 10 à 1,99. Et vous pouvez en mettre un dans chaque sachet, par exemple. Je ne sais pas s'ils font du bruit ceux-là ou pas. Vous pouvez mettre des petites graines de riz à l'intérieur. Et du coup, hop, quand ils vont jouer au ballon, ce sont des gros ballons de combien, de 45 cm de diamètre, vous voyez. Moi, je le mets dedans, mais il faudrait les séparer. Hein. Voilà. Vous pouvez très bien faire, donc là je suis dans le rayon créatif enfant, on peut prendre vraiment des gros paquets comme ça, comme des petits. Moi je pars vraiment sur des petits, je me dis voilà, on a beaucoup d'enfants, on a plusieurs neveux et nièces, on veut faire plaisir à tout le monde, donc histoire de faire plaisir à tout le monde avec un petit budget. Donc des petits crayons couleur 12 pièces, 55 centimes, et ils auront plus ou moins tous la même chose. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on est souvent en famille, et bien il peut même faire des coloriages et tout. Donc on met ça à l'intérieur. Je vais venir leur mettre des autocollants à l'intérieur. Donc il y a vraiment, vous voyez, plein de modèles. Il y en a 1,99€. Il y en a même des petits là, des mini. Ils sont par thème. Regardez, il y en a 6. 76 centimes. Il y a aussi pour les filles, enfin pour les filles comme ça. Ou même un album. Je prends plutôt un album. 99 centimes avec des autocollants. Je vais venir prendre ça. Il y a même des livres d'exercices comme ça, 79 centimes. Là, on va vraiment rester sur des choses sympas. Je viens mettre un bloc de mandala. Il y en a 24 à l'intérieur. Donc, autocollant, mais non, mandala. Il y a des petits coloriages à l'intérieur. Moi, je kiffe ça, franchement. Je sais que les enfants, ils sont trop contents quand vous faites des petites choses comme ça. Il y a un petit peu tout. Donc après, vous voyez, il y a plein d'autocollants. Vous pouvez mettre des trucs vraiment fun et tout. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne des petites idées. Même mettre, regardez, des petites créations comme ça à faire, modèles d'animaux en 3D, par exemple s'ils sont fans de dinosaures,
Il y a des pandas et tout, par exemple. Là, je vais pas en mettre. Il y a des, on a ici les petits souffleurs de bulles. Ça, c'est obligé. 39 centimes. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment personnaliser. Je trouve un blog où ils nous mettent vraiment les bonnes tailles et tout. Et là, vous n'avez plus qu'à coller la feuille. C'est écrit Eid Moubarak et tout pour la fête de l'Aïd. Il y a plein d'idées. N'hésitez pas à voir la vidéo. Je vous mets le lien en barre d'informations. Là, je viens prendre un petit souffleur à bulles. Vous pouvez rajouter des cordes à sauter à 99 centimes si vous le souhaitez. Ce qui est bien, franchement, c'est que chez Action, on a vraiment de tout budget. Il y a plein de choses vraiment pas chères du tout. Là, le panier, il est le petit sac là, il est bien plein. On va continuer avec des petites choses sympas comme ça. Regardez, on a ici des dés avec de la lumière. Moi, je sais que mes enfants, ils kiffent ça, les petits cubes magiques. Donc, je vais en prendre un. Je vais venir prendre un pop-it. Le pop-it, il a combien ? 99 centimes celui-ci. Voilà, on peut rajouter plein d'autres choses. Ça aussi, je sais qu'ils aiment bien les ressorts comme ça. Hop, 89 centimes. Donc j'ai pris trois petites choses comme ça et ça suffira. Et là, franchement, j'ai été généreuse. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, pour vraiment pas cher. Hein. Vous voyez, 79 centimes, 89 centimes. Vous pouvez rajouter des choses ou en enlever si vous le souhaitez. Maintenant, on va passer. Après, vous pouvez le faire voilà, avec d'autres choses, hein, filles, garçons, etc. On va passer au sachet de bonbons. Vous pouvez rajouter à l'intérieur ou les donner séparément, ça c'est vous qui voyez. Alors pour les sachets, on va en retrouver ici dans le rayon créatif, adulte. Voilà, il se présente comme ça à 89 centimes. C'est vrai qu'hier je vous en ai parlé dans ma vidéo, je vous ai montré comment les personnaliser avec une petite banderole ici où c'est écrit Eid Moubarak. Vous n'avez plus qu'à graffer et le tour est joué. Mais vous pouvez très bien la laisser comme ça ou attacher le tout avec un petit ruban. Donc 89 centimes, il y en a 50, c'est énorme, vraiment 50, c'est trop bien. Donc vous pouvez prendre ça. Alors je voulais vous parler d'une chose que je ne vois pas aujourd'hui comme par hasard. Ah c'est dommage. En fait ce que je voulais vous montrer c'est genre comme des bols comme ça. Ça ressemble vraiment à des pokéballs. Comme les bols mais ils sont beaucoup plus hauts. Il n'y a pas le rebord, ils sont simples. Ils montent bien comme ça. Et on aurait pu les utiliser. Bon là c'est dommage, ils sont très bas. Je voulais vous montrer. Bref, je vais vous en parler comme ça. Donc, ils sont bien hauts comme ça. Ils sont bien ronds. Ils coûtent 99 centimes. Il y en a 8 aussi, je crois, à l'intérieur. 6 ou 8. Donc, vous pouvez mettre les bonbons à l'intérieur. Et ensuite, mettre du papier, vous savez, transparent, qu'on retrouve dans le rayon papier cadeau. Je vais vous le montrer. Et mettre un petit ruban. Ça aussi, c'est génial. Vous pouvez les remplir de bonbons. Maintenant, je vais vous montrer aussi les bonbons qu'on peut retrouver chez Action. Des bonbons halal. J'espère que je vais en trouver déjà. Ah oui, sinon vous avez déjà les petits sachets de bonbons qu'on peut retrouver dans le rayon articles de fête. Donc là, on a des petites pochettes. Il y en a 10 avec des petits autocollants, comme ça. Donc ça donne ça. Il y a après différents modèles. Il y a ceux-là avec les cœurs. Il y a des petits ballons. Ça reste neutre. Ça passe pour tout le monde. Il y a quoi aussi? Des dinosaures. Bref, il y a plein de modèles. Ceux-là, ils sont à 69 centimes et il y en a 10 à l'intérieur. Après, bon, il y a d'autres petits sachets, mais bon, je trouve que ça fait anniversaire, quoi. Sachets comme ça, mais bon, c'est sympa aussi, pourquoi pas. Les 15 pièces à 1,79€. Ben, le rouleau transparent dont je vous parlais, je le vois pas, là. Ah, si, c'est bon, film transparent, c'est celui-là. Ça, c'est trop bien pour emballer, justement, des petits paniers cadeaux que je vais vous montrer juste après. C'est trop bien. Donc là, il y a 4 mètres par 70 à 79 centimes. Tadadadam. Sinon, si vous faites les petits sachets de bonbons transparents, pourquoi pas. Et bien, si vous avez les petits nœuds comme ça par-dessus, c'est le top. Donc là, il n'y a que ceux-là. Bon, il y en a pas mal aussi à l'intérieur. 85 centimes, il y a aussi des rubans. Voilà, après il y a d'autres rubans comme ça. 4 pièces à 65 centimes. On peut également utiliser ça hein, tiens, pour mettre des bonbons, pourquoi pas. Faire exactement ce que je vous ai dit, remplir dedans avec les bonbons et le fermer avec le film transparent. Pourquoi pas. Voilà. Alors, en bonbons, vous avez ceux-là. Moi, je les ai découverts il n'y a pas longtemps grâce à une amie. Mais c'est vrai que à chaque fois que je viens avec mes enfants, ils veulent ça, là. Je sais que c'est pas halal. Donc, du coup, ceux-là, bah, regardez. Hein. En plus de ça, ils sont emballés individuellement. Que des petites bouteilles de coca, hamburger, etc. Bon, on sait que les bonbons, c'est pas bon pour la santé. Occasionnellement, comme ça, pour les leur faire plaisir. Pourquoi pas 1,99€, il y a 29 sachets à l'intérieur. Sinon, on a les bonbons. Alors, normalement... Bon, normalement, c'est halal. Moi, je pars du principe que c'est écrit. Hein. Bon, c'est pas à me dire en commentaire. Non, ils sont pas halal. Je vous dis juste que c'est écrit comme quoi c'est halal. Je vous montre. Ah,
après faites vos recherches et regardez. Et puis voilà. Mais moi je vous dis juste ce que c'est écrit parce que c'est vrai qu'il y a certaines marques, soi-disant, qui disent que c'est halal alors que c'est pas halal. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Moi je vous montre vraiment ce qu'on retrouve là en rayon. 1,99€. Il y a aussi ceux-là. Hop, les petits bonbons comme ça. Ils sont bons aussi. 275 grammes. Et c'est écrit là. Halal. 1,49€. Ceux-là. 99 centimes. Certifié halal. Voilà. Et il y a acidulé, pas acidulé. Après, on peut retrouver des petites sucettes comme ça. 2,29€ les 10. Non, c'est pas ça. C'est celle-là, pardon. 22 pièces, c'est celle-là. 2,29€ les 22. Celle-là, je sais pas ce qu'on est en haut. Cherche les petits bonbons, là. Qui sont super bons. Les, je crois que c'est les Damia, non ils sont fourrés à l'intérieur. Je ne les vois pas. Ils sont pas chers. Ouais, Damla. Ouais, comme par hasard, il n'y en a pas. Ils sont trop bons, ceux-là. Ils sont fourrés avec un petit peu de fruits. 99 centimes. Après, on a les bonbons bah, Samia. Vous avez donc ceux-là. 1,98, 200 grammes. Il y a aussi les coca, bananes. Voilà. Je reviens sur les petits sachets que je vous ai montré tout à l'heure, les transparents. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier. Je vous invite vraiment à aller là-bas. Parce que je vous ai montré vraiment en image. J'ai fait un montage et tout. Je vous ai montré pas mal de choses. Ce que j'avais fait moi l'année dernière, c'est que j'avais mis à l'intérieur. Donc, dans le sachet transparent, j'ai fait des sachets à bonbons. Et dans d'autres sachets, j'ai mis donc le souffleur à bulles qui était personnalisé. C'est écrit Eid Moubarak. J'ai pris aussi les Mentos, des mini Mentos. Je sais plus si j'ai pris Action ou pas. Les mini Mentos que j'avais aussi emballés, c'était écrit Eid Moubarak. J'ai pris des petites mignonnettes de chocolat, pareil, que j'avais personnalisé. Et vraiment, le rendu, il était magnifique. C'était en blanc et doré. Vraiment, ça faisait quelque chose de très professionnel, de très... Genre, on aurait dit que c'était quelque chose d'acheté, en fait, de personnalisé. Vraiment super. Avec des mini comme ça, des mini bars, ce format-là. 1,99€. Les Bounty, sinon on a les mix comme ça, en mini. Il y en a 20, à 3,39€. On peut mettre ça aussi hein, avec les bonbons, les miniatures comme ça. Alors après, il y a ceux qui aiment bien offrir. Après, c'est vrai, quand ils sont ados, je ne sais pas s'ils vont aimer ou pas les coffrets cadeaux, ça dépend auprès de vos enfants et tout. Bref, des petits coffrets avec des produits de beauté, des produits d'hygiène, ça peut être sympa. On peut faire aussi des panières gourmandes, voilà, pour ceux qui sont vraiment gourmands. Ou sinon, faire une petite enveloppe et eux choisiront directement ce qu'ils veulent. Et on peut mettre justement l'argent, par exemple, à l'intérieur, dans une belle petite boîte comme ça, avec un petit mot. Voilà, un petit mot sympa. Donc là, il y a plein de couleurs. Hein. Ces boîtes-là, elles sont à 1,54€. Je vous ferai sûrement une partie 2, hein, les amis, parce que je vois que la vidéo, elle est assez longue, mais je vais quand même vous partager quelques idées, là. On va aller dans le rayon beauté, et je vais partir sur la rose. Allez, girly. Franchement, je les trouve magnifiques, ces boîtes, sachant que, regardez, vous avez les sachets à côté, assortis. Donc, regardez. Voilà. Moi, j'ai retourné la boîte, comme ça. J'ai mis le couvercle en dessous, pour voir le garnir. Et je vais commencer en prenant ici, une brume corporelle à 1,99€. On prend ici des petits disques comme ça, démaquillants. Un petit kit de soins pour les lèvres. Ça, franchement, pour une ado, par exemple, ou préadolescent, genre 12, 13 ans, ça peut être parfait. Hein. 1,99€. On va venir prendre ici un petit masque pour le visage à 1,49€. Et je vais venir ajouter des petits masques pour les yeux. Non, c'est pas pour les yeux, là. C'est un masque visage gommage. 99 centimes. Donc là, c'est notre panière à la pâle flow. Je comprends pas. Allez, et je rajoute ça. Kit de maquillage. Non, vous savez quoi? Non, pas ça. Je viens prendre du coup des masques pour les yeux comme ça, hydrogel. Ils sont nouveaux en plus. 99 centimes. J'en prends un pour les lèvres à 79 centimes. Voilà du coup ce que ça donne. Franchement, trop beau. Ensuite, il faut l'emballer avec le film transparent que je vous ai montré tout à l'heure. Et le résultat sera fini. Vous pouvez enlever des choses si vous trouvez qu'il y en a trop. Ou en mettre plus si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez, donc vous pouvez faire la même chose pour un garçon. Donc j'ai pris la boîte bleue pour le garçon. Je vais vous montrer. Voici sur un petit format. Mais franchement, si vous prenez une panière beaucoup plus grosse... Vous pouvez mettre des trucs comme ça, mettre du parfum, mettre plein de choses. Je pars sur une autre toilette Adidas. Il y a aussi celle-ci Playboy, 4,39€. Je prends celle-ci à
4,99€. Un petit déodorant, pourquoi pas. Hop. Déodorant Nivea Invisible. On le fourre là-dedans. Ce n'est pas parce que c'est un garçon qu'il n'a pas droit de faire des soins de visage. Je vais en prendre ici à 99 centimes. Je prends ces deux-là. Je vais changer le déodorant. Je vais prendre quand même quelque chose de plus de mieux. Je vais prendre celui-là Adidas, c'est mieux. Adidas, 1,89€. Je vais continuer toujours avec le Adidas et je vais venir prendre un gel douche, 1,75€. Et là, on a donc de la cire à 1,49€. Je vais venir prendre une petite crème pour les mains à 99 centimes. Je vais venir prendre également un petit savon naturel. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, c'est vegan hein, d'ailleurs. Je vais prendre du gris. Bon, du coup, ça donne ça. Les masques derrière, comme ça. Petit gel douche, le déodorant, le parfum, l'eau de toilette, la crème pour les mains, petit savon et la cire pour les cheveux. Et une fois que vous allez emballer tout ça, je vous assure que ça fera super joli. Et là, on va finir avec une petite panière gourmande. Un petit panier gourmand, soit on prend un panier, soit vous pouvez prendre aussi, ça fonctionne très bien, avec un petit plateau. Voilà, vous pouvez très bien l'offrir à un ado, à votre maman, bon, bref, à qui vous voulez, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc là, je vais choisir une petite panière, j'hésite encore. Bon, allez, je vais prendre celle-ci, je trouve trop jolie. 2,34€. Alors, le but de ce panier gourmand, bah, justement, c'est de mettre plein de petites choses gourmandes à l'intérieur différentes. Vous pouvez même rajouter un petit mug si vous souhaitez, mais là vraiment je vais rester que sur des petites gourmandises. Je vais commencer avec ce petit paquet Duplo. Je vais prendre différentes tailles pour avoir en fait du relief, de la voilà, que ça fasse pas tout entassé, vraiment pour avoir du. Je vais venir prendre, ça c'est trop bon d'ailleurs, les petites peanuts comme ça, je sais pas comment ça se prononce, cerise. C'est trop bon. À la cacahuète, je vais en prendre le chocolat blanc, le chocolat noir. Ça c'est l'inratable, c'est un cadeau qui fait plaisir à 100%. D'ailleurs ces nougats sont très bons. Les nougats, il y a ceux-là en robot de chocolat ou ceux-là, on va prendre ceux-là, 1,39€. Oui, ça commence à prendre forme, je vais venir rajouter des Kinder, ceux-là, à 89 centimes. Je prends encore des Kinder Bueno comme ça, chocolat blanc. Pareil, hein, c'est 89 centimes. Des M&M's, lesquels je vais choisir. Je vais prendre du bleu, tiens, pour changer un peu. Ceux-là, c'est les Crispy. C'est un petit sachet, hein. 1,19€. Par ici, je vais lui mettre ses petits bâtonnets pour faire des petits chocolats chauds à 99 centimes. Et pour finir, une petite pâte Nutella, pâte à tartiner comme ça, à 79 centimes. Voilà ce que ça donne. Voilà le résultat final, bien sûr. Il faudra l'emballer avec le film transparent. Puis franchement, ça peut être sympa. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on est quand même à 18 minutes. Dites-moi si vous voulez une partie 2, en tout cas si je vois que cette vidéo vous aura plu, je vous ferai une partie 2 avec plaisir. Si vous souhaitez voir tout ce qui est DIY décoration pour l'Aïd, je vous l'ai posté hier, je vous mets le lien en barre d'informations. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon lundi, à très vite, bye bye.